Bonjour, bienvenue au nouveau cours à distance présenté par Omeï Melktiani, enseignante au groupe scolaire L'Ange Bleu. Dans cette vidéo, je vous présente une nouvelle leçon de vocabulaire et je vais prendre comme titre les niveaux de langue. En français, on ne parle pas de la même manière avec un copain ou avec une personne qu'on ne connaît pas pour dire quelque chose. Ça veut dire qu'on utilise des mots différents, mais ils ont le même sens. Ou encore, on peut utiliser des expressions différentes. On appelle ces différentes façons pour s'exprimer les niveaux de langue. Et pour bien comprendre, on peut dire qu'en français, il existe trois niveaux de langue. Le premier, c'est le langage familier qu'on utilise entre amis ou proches. Le deuxième, c'est le langage courant et c'est le langage qu'on utilise dans la vie quotidienne, par exemple à l'école, les magasins. Le langage soutenu. Et ce langage-là, on l'utilise à l'écrit ou avec des personnes inconnues. Commençons par le langage familier. Suivez avec moi cette situation. Elle est trop cool, cette baraque. Oui, mais je l'aime pas, elle est trop minus. Quand vous voyez, on a utilisé comme mot familier, cool, baraque, minus, oui. Et comme expression familière, trop cool, je l'aime pas. Alors ce langage est utilisé seulement à l'oral, entre amis ou entre proches. Passons maintenant au langage courant. Et on va travailler sur la même situation. Elle est très belle, cette maison. Oui, mais je ne l'aime pas. Elle est trop petite. Comme vous voyez, on a utilisé comme mot courant, belle, maison, oui, petite. Et comme expression courante, très belle, je ne l'aime pas. Et on doit comprendre que ce langage est utilisé à l'écrit et à l'oral avec des personnes qu'on connaît peu. Voyons maintenant le langage soutenu. Et toujours avec la même situation. Cette demeure est splendide. Certes, mais je ne l'apprécie guère. Elle est minuscule. Comme vous voyez, on a utilisé les mots soutenus, splendide, demeure, minuscule, certes. Et comme expression soutenue, je ne l'apprécie guère. Alors ce langage est utilisé avec des personnes inconnues et à l'écrit, quand on écrit des récits ou des rédactions. Et on doit retenir, en français, il existe trois niveaux de langue. Le premier, c'est le langage familier. Ce langage est utilisé seulement à l'oral, entre amis ou entre familles. Le deuxième, c'est le langage courant. Ce langage est utilisé à l'écrit et à l'oral, avec des personnes qu'on connaît peu. Le troisième, c'est le langage soutenu. Il est utilisé avec des personnes inconnues et à l'écrit quand on écrit des récits et des rédactions. Et pour s'entraîner, je vous propose un exercice et je prends la consigne. Pour chaque phrase, indique le langage utilisé.
c'est un langage familier, au courant ou soutenu, et souligne les mots qui le montrent. Prenons la première phrase. La voiture vient d'arriver. C'est un langage courant, familier ou soutenu. Très bien, bien sûr, c'est un langage courant. Et le mot qui le montre, c'est voiture. Prenons la deuxième phrase. Mais oui, ta caisse, tu l'as encore paumée. Regardons cette phrase. Est-ce que on a utilisé le langage familier, courant ou soutenu? Réfléchissez. Très bien, c'est un langage familier et le mot qui le montre, c'est caisse et paumé. Une autre phrase, l'automobile vient d'arriver avec votre chauffeur. Alors, ce langage, c'est un langage familier, courant ou soutenu? Réfléchissez. Très bien. C'est un langage soutenu et le mot qui le montre, c'est automobile. Bravo! Et avant de vous quitter, je vous demande de faire vos devoirs sur la plateforme CoSchools. À bientôt et à la prochaine vidéo!